Bonjour, voici comment mettre un barème dans un forum pour qu'on puisse cliquer et les élèves puissent évaluer les postes de leur père. Vous vous rendez sur le carnet de notes et vous allez implémenter un barème. Vous avez ici la liste des barèmes qui sont par défaut installés sur la plateforme et vous allez vouloir ajouter un nouveau barème. On va l'appeler barème en espagnol. Ce barème n'est pas standard ici, ça veut dire que toute la plateforme pourra utiliser votre barème, ce que vous ne voulez pas. Et ici, on vous explique comment le faire. Bien, vous mettez vos gradients avec une virgule, une séparation avec une virgule. J'aime beaucoup, j'aime un peu. Il faut le faire de manière graduelle et progressive. Me encanta, me gusta et me gusta mucho. Ici, ça sera un point, ici, ça sera deux points, ici, ça sera trois points. Ici, vous allez mettre la description de votre barème, comme ça, ils pourront consulter les explications, vous enregistrez. Votre barème est donc ici, il n'est pas encore utilisé. Maintenant, vous allez l'activer sur le forum. Vous allez dans le forum et dans les forums, vous allez ici dans le paramètre vouloir que ce soit évalué. Vous allez dans l'évaluation, vous mettez par exemple la moyenne des évaluations, type barème, vous choisissez votre barème d'espagnol, vous enregistrez et pour évaluer un poste, vous allez donc ouvrir le sujet. Et l'évaluer. Me gusta mucho, me gusta, me encanta. Dernière chose à savoir, il faut que les élèves puissent s'auto-évaluer. Pour qu'ils puissent s'auto-évaluer, voici ce que vous allez devoir faire. Vous allez dans les paramètres du forum et vous allez octroyer la permission. Je remontre. Vous allez ici, vous allez cliquer sur permission et vous allez choisir dans l'activité forum, vous allez choisir de donner la possibilité d'évaluer aux élèves. Vous cliquez sur plus et vous allez autoriser les étudiants à évaluer leurs travaux. Et c'est fini. Voici la production d'un élève et je vais pouvoir dire me gusta. Me gusta 1. Si j'avais choisi me gusta mucho, me gusta mucho 1 et on voit ici le nombre de points recueillis. Et ici, le barème est expliqué comme on l'a fait tout à l'heure.